Bonjour à tous. Donc je vais encore un petit peu gueuler aujourd'hui. J'ai fait ma série gueulante. Pareil que le tour juste avant qui s'appelait Four Forstack. Stack. Voilà, je fais de la pub. N'achetez pas sur tout ça. Lethal Tender, qui est un tour qui est génial. Génial, j'adore faire ça parce que ça c'est rapide, tout le monde peut le faire, il n'y a pas trop de manipulation. C'est vraiment un effet sympa où vous mettez la pièce dans la main du spectateur, vous tapez, c'est une pièce... 2000 dollars, 2000 $. vous tapez, elle se transforme en pièce chinoise et la pièce, les pièces sont permutées dans la pochette, je ne l'ai pas. C'est un tour qui est beau et pour ceux qui veulent faire des pièces qui ne savent pas manipuler, qui passent très bien. Mais le problème, c'est que j'en ai acheté 10, à chaque fois j'en rachète une, je me suis dit, bon, ben, elle est abîmée parce que... c'est le transport, c'est pour une fois, donc à chaque fois j'en rachète et à chaque fois, regardez les cartes, je sais pas si tu peux le zoomer, Jérôme, c'est pas normal que Tango nous vende ça. Je sais pas si t'arrives à voir de près, Jérôme. Ben, il y a 1 mm de décalage de carte, la carte Non, elle mais est froissée. elle est sale, elle est mal collée. Regardez celle-là. Ça, c'est du Tango neuf que je viens de recevoir. Donc je me dis, comme je dois en vendre une. Je vais en acheter 4-5, comme ça, dans le lot, j'en ai forcément une de bonne. Mais regardez-moi ça. Tiens, Elles sont regarde. déchirées. C'est neuf. Voilà, ça vient d'arriver, c'est neuf. Et c'est pourri. C'est pas normal que Tango, qui s'appelle Tango, qui est censé vendre de la qualité parce que Tango, ça a un nom. Sont pliées les Voilà, cartes. Tango, c'est marqué en gros, nous vendent ça. Dans un plastique comme ça, jeté à l'intérieur. Je regarde pas les pièces parce que les pièces normalement c'est bien, mais la carte c'est pas normal. Donc nous, quand vous achetez chez nous, vous allez le recevoir et sont propres, c'est normal. On les refait, mais on en a marre. C'est pas à nous à refaire ça. Tant qu'à faire, on refabrique le tour. Mais comme la carte elle arrive abîmée, je peux pas envoyer ça à un client. Qu'est-ce qu'il fait Jérôme? Eh bien il la split, il récupère et encore des fois on met notre propre lame métallique parce que celle-là elle est pas bonne. Et on refait entièrement la carte. Donc là, c'est pas normal qu'on nous vende ça. Et que Murphy nous envoie ça. Il ne devrait pas nous envoyer ça. Déjà, Tango, ils n'auraient pas dû la renvoyer. Et Murphy, ils n'auraient pas dû les recevoir. Parce que tu reçois ça, tu les ouvres, tu vois que c'est pourri. Ou alors, tu entends nos plaintes quand on dit c'est pourri, c'est pas normal. Vous allez dans votre stock, vous vérifiez, vous appelez Tango, vous dites vous nous remboursez. Donc, on a envie de faire la mauvaise pub à Tango. Donc, si vous avez envie de partager la vidéo dans le monde entier pour dire que Tango, c'est de la merde. Pas au niveau de Sur ces ça, tours, ouais, mais au sur niveau ça. du létal, eh bien, il faut le dire. Tango, votre produit, c'est de la merde. C'est pas normal que vous collez ça et que vous envoyez ça. Nous, quand on envoie quelque chose, on vérifie, on dit, ça c'est vendable, je suis fier de moi, je l'envoie. Tango, s'il vend ça et qu'il dit qu'il est fier de lui, mais c'est pas normal. Ou alors il est fait faire par, je sais pas, par des animaux. C'est pas un être humain qui a fait ça. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas si on a réussi à voir de près, mais c'est pas normal. Donc vous ne gueulez pas parce que vous recevez du bon matos. Peut-être que si vous l'achetez ailleurs, le vendeur, il va vous dire, mais c'est pas ma faute, c'est du Tango. Nous, c'est notre faute si on vous envoie de la merde. Donc on est obligé de gueuler pour dire ça. Partagez la vidéo, envoyez-la dans le monde entier. C'est de la merde. C'est pas beau, c'est pas propre. Donc si vous voyez ce tour qui a disparu chez les concurrents, c'est normal parce qu'ils ont dû avoir le même problème. S'il en reste chez nous, c'est parce qu'on aime ce tour et on aurait voulu continuer à le vendre. J'ai essayé d'autres marques, c'est moins pire. Ils sont moins chers, mais moins pires. C'est ça qui est bien. Donc voilà. J'avais envie de le dire. Tango, c'est pas bien. Surtout au niveau du Lethal Tender. Partagez la vidéo. Il faut que Tango, il avoue à cette vidéo. Qu'il puisse dire, pardon, je sais pas, je vous reprends le matériel. On a 120 mètres carrés en haut. C'est 120 mètres carrés qu'on a accumulé de merde pendant 20 ans. Voilà. Au lieu d'avoir du stock là-haut pour du stock, c'est du stock qui traîne, c'est de la merde. C'est les souvenirs qu'il faut envoyer, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc je suis énervé, j'avais envie de le dire. Voilà. Je retrouve mon sourire. Merci à tous, à tout bientôt. Et n'achetez pas les Lethal Tender en Tango. Disons, si vous l'achetez chez nous, qu'il est encore en magasin, Elle sera, non, non, voilà. mais pas du tout. Il n'y aura plus du tango chez nous. Voilà. Il y aura d'autres létales peut-être, mais pas du tango. Voilà. Même s'il est refait bien, je n'achèterai plus du tango en létal tender. Voilà. Merci à vous. À tout bientôt.